Nous sommes à Saint-Tropez pour une émission spéciale entièrement consacrée au voile de Saint-Tropez et je suis en train de descendre de Mariette, un voilier de tradition de 42 mètres de long avec des mâts d'une hauteur de 35 mètres, un véritable bijou. Nous allons recevoir deux invités exceptionnels, le comédien Claude Brasseur, amoureux des beaux bateaux, et Luca Bassani, le fondateur et président des chantiers Wally, des bateaux tout en carbone, dernière technologie. Tout de suite, on retrouve la première partie de notre reportage sur les voiles de Saint-Tropez. Occasion pour tous les équipages de se rassembler avant la fin de la saison et de se dire à l'année prochaine. Depuis 1999, donc les voiles de Saint-Tropez existent. Elles ont succédé à l'agneau largue dont on sait qu'il y a eu un brutal arrêt en 1995. Et on a repris l'événement en conservant l'esprit, en conservant une certaine idée de ce qui se passait en 1995 dans la continuité de ce qu'a fait Patrice de Colmont. Il n'y a aucun enjeu dans ces épreuves, c'est du plaisir à 100% et il faut que ça le reste. Des cœurs uniques au monde et des cœurs éternels. Je veux dire, quand on voit les... Je regardais l'autre jour et Dieu créa la femme, ça n'a pas tellement changé. On s'y retrouve, c'est ce qui est magnifique. Saint-Tropez n'a pas été pollué par le modernisme. Il y a un public toujours plus nombreux. Il faut dire que le spectacle est magnifique, photogénique. Et chaque année, on attire plus de monde. Et Rolex est quand même présent dans 27 événements de voile, sponsors ou partenaires privilégiés. C'est une ambiance qu'on aime beaucoup parce que c'est un sport qui est sain, qui est propre, qui est noble, un travail d'équipe, un travail de précision, un challenge permanent, donc c'est tout ce qu'on retrouve dans nos valeurs. Quand je vois toutes ces belles mécaniques, les winches, les poulies, tout ça, ça rappelle un peu l'intérieur d'un mouvement de montre aussi. Voile de Saint-Tropez, c'est justement le mariage de la tradition, de la modernité. On a des magnifiques bateaux avec du carbone et puis en face des magnifiques bateaux avec du bois, du métal. Et on réunit tous ces gens-là autour d'un concept de course qui a été lancé il y a presque 30 ans et qui ressemble un peu à l'America's Cup d'ailleurs, puisque c'était aussi l'histoire de défi. Cachalange a fait une excellente saison, surtout avec Sébastien Coll qui est actuellement numéro 2 mondial en match racing. Donc ça c'est le circuit mondial sur lequel on retrouve tous les derniers vainqueurs de l'America's Cup. Donc c'est la preuve qu'aujourd'hui on a un barreur de talent. Et on est en train de préparer aussi des choses dans le design team. On se prépare pour 2009, donc on a un beau programme qu'on va annoncer très bientôt. C'est très important pour une équipe America's Cup. On sait que quelque chose qu'on peut jamais racheter, c'est le temps. Donc plus tôt on peut commencer, mieux ça se passera. D'un autre côté, aujourd'hui, il y a un certain nombre de paramètres qui sont plutôt prometteurs. Je pense que la coupe risque de démarrer assez rapidement. Et si on commence le jour où on sait où ça se passe et comment ça se passe, c'est souvent trop tard. Donc l'objectif aujourd'hui de réunir déjà une équipe, c'est d'être prêt quand le moment sera venu. Un bateau qui allie la modernité et le classique. C'est-à-dire que vous avez tous les îloirs qui sont en acajou, le pont est en teck. Et c'est un bateau qui malgré tout est assez sportif puisqu'on a un mât en carbone, on a 2,20 m de tirant d'eau, qui est très raide à la toile et qui remonte très bien au près.
Et c'est un bateau qui a été créé à l'île de Ré il y a 3 ans par Philippe Joubert, qui est très fin, la barre est très sensible. Et bon, c'est un bateau qui fait du cap, qui va vite. Dès qu'il y a une dizaine de nœuds de devant, on marche sans problème à 7 nœuds. Ballato di tutto lo sai, sui sentieri dei grammofoni sei, vuoi di vuoi. Ho ballato un po' con tutti lo sai, gente nuova, gente vecchia lo sai, smodi smodi. Nous sommes des régatiers, mais nous sommes aussi des amoureux de la belle voile, de la belle plaisance. C'est se faire plaisir, c'est ne pas prendre de risques, mais faire marcher ces bateaux au maximum de leurs possibilités. En général, les propriétaires tombent amoureux d'un bateau, tombent amoureux d'un plan de forme, d'un architecte, peuvent tomber amoureux d'une vieille coque et être capables, comme le bateau que vous voyez derrière moi, le Partridge, de le restaurer de A à Z, de passer des années pour restaurer un bateau comme ça. C'est une question d'amour, c'est pas toujours une question d'argent. La marque Gasserac est une marque qui tient son origine d'un fondateur d'Ouve Gasserac qu'il a créé en 1897 avec la volonté au départ de fabriquer des voiles. Il a après développé une collection, tout d'abord une collection technique, et c'est que plus dernièrement, depuis à peu près une dizaine d'années, qu'il y a eu des collections sportswear qui sont venues compléter les collections techniques de la marque. Mai nessuno che abbia amato lo sai, i miei piedi mai nessuno lo sai, fuori fuori. Ravi de pouvoir suivre les courses, à la fois des bateaux de tradition et des bateaux modernes. Et je reconnais que ça séduit également un grand nombre de visiteurs qui viennent lors des voiles de Saint-Tropez et également tout particulièrement nos clients. Ben, je crois que tout simplement on les fait rêver, alors c'est pas très compliqué avec les voiles de Saint-Tropez. Donc on leur propose une invitation où ils viennent nous rejoindre ici à Saint-Tropez. On leur propose de suivre les courses sur un bateau, tantôt bateau à voile, tantôt bateau à moteur. Et puis après, on leur propose évidemment quelques endroits sympathiques de Saint-Tropez pour dîner et festoyer. Et surtout, ne pas oublier le lendemain, pour ceux qui réussissent à se réveiller, une partie de pétanque sur la place des Lys. Quelque chose qu'on aime, ça reste quelque chose qu'on apprécie, ça reste quelque chose qu'on sent et qu'on ressent, avec lequel il se passe énormément de choses. Plus on passe de temps sur un bateau, plus on le sent présent, plus on le connaît, plus éventuellement on l'apprécie. Donc c'est... comment le définir? She, comme diraient les Anglais, quoi. C'est pas une femme, mais presque. Tamrock 5, un volet de tradition, et derrière nous, Altaïr, un autre yacht classique qui participe au voile de Saint-Tropez 2008. Nous sommes sur les quais du Vieux-Port avec Yvan de Quatre-Barbes, le président des chantiers Sillinger. Vous êtes le partenaire des voiles avec vos semi-rigides qui effectuent un travail considérable. Oui, d'ailleurs, je remercie tous les pilotes là, qui ont été mobilisés par l'entreprise et par nos distributeurs qui sont des pilotes aguerris et qui donc effectivement mettent en ligne nos 16 semi-rigides qui ont été conçus spécialement pour encadrer des opérations comme celle-là, c'est-à-dire des courses de voile où il s'agit surtout de ne pas abîmer ces magnifiques voiliers qui sont en ligne aujourd'hui. D'autre part, nos bateaux effectivement sont conçus pour la sécurité et je crois qu'ils remplissent parfaitement leur office maintenant. J'ai même appris que vous aviez fait un petit record dans une traversée Saint-Tropez-Cannes aller-retour. Oui, là on a fait un petit aller-retour par temps de Mistral avec 40 nœuds de vent et je crois qu'on a dû mettre à peu près 3 quarts d'heure pour faire l'aller. Merci beaucoup Yvan Quatre-Barbes, mais nous on se retrouve très vite pour Nautisme pour de nouvelles aventures. Au revoir. Pour de nouvelles aventures. Au revoir.